Bonsoir à tous les spectateurs de Cinéloge. Je vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux assister à la représentation des Lyonnais, malheureusement à laquelle je ne serai pas présent parce que je suis en train de tourner un film comme acteur à Paris du 15 novembre au 23 décembre et que mon emploi du temps ne m'a pas permis d'être avec vous. J'en suis navré, bien sûr, j'aurais bien aimé participe à cet événement en votre compagnie, mais voilà, c'est comme ça. Alors Olivier, merci d'être avec nous pour cette soirée Cinéloge. Ouais. Deux petites questions, ouais. Et puis ensuite on laissera les spectateurs découvrir le film. Ouais. D'abord, comment est né ce projet très particulier qui a pris tellement de temps de préparation ? Eh ben, le projet de faire un film sur le gang des Lyonnais, c'est... J'étais en train d'écrire un long métrage qui s'appelle Bronx, qui était encore un polar. Et j'étais pas du tout enclin à faire un film sur les voyous, parce que je suis plutôt du bon côté de la barrière, même si mes flics sont alcooliques, drogués, un peu nauséabonds, mais des bons flics quand même. Et c'est ma rencontre fortuite avec Edmond Vidal, dont j'avais entendu parler quand j'étais jeune inspecteur en 1980 au SRPJ Versailles, qui pour moi est une des dernières grandes légendes du banditisme français, et puis un voyou au grand cœur, respecté des voyous, respecté et admiré des flics. Et c'est un monsieur que j'ai rencontré, il avait 64 ou 5 à l'époque où je l'ai rencontré. On s'est un petit peu reniflé derrière, comme deux chiens, quoi, et on ne sait plus, on est devenus amis. Et il m'a fait confiance parce qu'il m'a dit des choses. Un ancien voyou qui se confie, un ancien flic, en principe, c'est sous la torture, mais là, on l'a fait autour de bonnes bouteilles de vin. Dans une ambiance de convivialité, d'amitié, de fraternité, où grâce à lui j'ai découvert la communauté gitane à laquelle il appartient. J'ai rencontré un monsieur au grand cœur, avec des principes, des valeurs qui manquent, je trouve, à beaucoup aujourd'hui, et j'ai pensé que ça méritait de mettre un coup de projecteur sur la vie de ce grand bonhomme, quoi. Voilà. Alors précisément, jusque-là, vos précédents films s'intéressaient au parcours de policiers. C'est la première fois que vous vous intéressez au parcours de quelqu'un qui est de l'autre côté du code pénal. C'est la personnalité d'Edmond Vidal qui vous a guidé vers un choix. Ben oui, quand on rencontre Edmond, comme j'ai dit, voilà, Momon, c'est un peu le tonton, l'oncle qu'on a eu, auquel on s'est confié, à qui on a dit des choses qu'on n'osait pas dire à notre père. Momon, il m'a touché par toute la mélancolie qu'il dégage. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la glorification de ses actes, qui ne veut pas être un exemple. C'est juste un mec qui a été victime d'une erreur du système judiciaire, d'un abus, de la part d'un juge d'instruction un petit peu moins compréhensif et intelligent certainement que certains autres, heureusement. Et il a été victime d'être gitan, d'avoir volé une poignée de cerises, un cajou de cerises, et pour une poignée de cerises, il est devenu un des leaders du grand banditisme français dans les années 70. Maintenant, Momon, c'est quelqu'un qui ne regrette pas, mais qui a des remords, et qui n'est, encore une fois, ce qui m'a plu, c'est qu'il n'est pas du tout dans la glorification de son parcours, mais il a voulu juste écrire un livre à compte d'auteur pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa famille, pour les gitans. Et le seul cinéaste, enfin metteur en scène, cinéaste un peu pompeux, mais metteur en scène auquel il a voulu confier son ouvrage, c'était moi. Donc je me suis senti un devoir d'amitié et puis un devoir de témoignage en faisant ce film. Voilà. Alors une dernière question, Olivier. Deux générations d'acteurs, quelques grandes gueules du cinéma français, Gérard Lanvin, Tchéky Cario réunis pour la première fois à l'écran, ouais. Daniel Duval, et puis quelques jeunes acteurs aussi que vous allez vous réunir dans ce même film. Oui. Ben, c'est-à-dire, on s'est d'abord évidemment concentré sur les anciens, quoi, Lanvin, Cario et Duval et Astier. Et après, j'ai cherché des jeunes acteurs, je les ai trouvés par casting. Et puis, c'est vrai que j'espère que vous allez les découvrir et que vous allez les apprécier. Ce sont des mômes, mais qui ont énormément de talent. Et j'ai privilégié le talent à la ressemblance trait pour trait avec les vieux. Merci Olivier. Merci à vous. Quelques mots adressés aux spectateurs de Cinéloge. Ben non, mais c'est normal. Et pour un film qui sort le 30 novembre, qu'on va proposer en avant-première. Voilà. Merci à vous d'être là, en tout cas.